voir sur le fest et aller les féliciter pour leur travail magnifique. Encore bravo! Parfait. Nous allons maintenant recevoir les braves candidats qui se sont montrés et qui ont fourni des prestations et des costumes absolument fantastiques. Je vous invite, messieurs, dames, à faire un tonnerre d'applaudissements pour nos concurrents, s'il vous plaît! Ah, vous pouvez les féliciter, hein, ils ont fait des choses absolument magnifiques. Ah, vous voyez, c'est l'émotion, c'était trop. Nous vous rappelons les candidats qui ont un petit peu changé, pour certains. On ne les reconnaîtrait pas. Nous avons d'abord Art Cosplay de chez Louami, je prononce bien, qui a incarné Halloween. Laughing Jack Creepypasta, interprété par Riku. NDC Lady, qui a interprété Morgana de League of Legends. Luna Cosplay, qui a incarné la Bone Armor de Monster Hunter. Luminero, qui a incarné Drifter de Hyper Light Drifter. Évidemment, la ligne. Et pour finir, Raito Usagi de la Reine Maléfique de Blanche-Neige. Tous ces candidats ont été magnifiques, merveilleux, il n'y a pas de qualificatif. Mais malheureusement, comme disait l'autre, il n'en restera qu'un. Peut-être deux. J'invite maintenant notre fier jury à venir prendre place sur scène. Applaudissements, un applaudissement pour eux aussi! Présentation, s'il vous plaît, pour ce jury qui a accepté de se déplacer pour nous aujourd'hui. Nous avons d'abord Sanzo, Madame, et pour finir, Célia. Monsieur le jury, messieurs, dames, je suppose que ça n'a pas été facile pour vous de départager. Malheureusement, l'heure est venue. Nous attendons votre verdict. Encore merci à vous. La parole vous appartient. Avant d'énoncer justement les noms des gagnants, je voulais remercier en fait tous les participants qui sont venus sur scène et qui ont partagé leur bonne humeur, que ce soit à l'arrière en fait lors des tribunes jeans ou lors en fait de leur passage aussi sur scène. Continuez comme ça, continuez aussi à vous améliorer, à vous amuser et à nous partager votre passion. On espère beaucoup que vous reviendrez aussi pour les prochaines éditions. Donc merci encore à tous d'être venus et bonne continuation du coup. Donc du coup on m'a choisi pour énoncer justement la dauphine de cette Coupe de France de cosplay à Geekzée. Et donc du coup la dauphine sera Luna Cosplay avec son cosplay de Monster Hunter. Et donc maintenant, on attend le moment que tout le monde attend. Je me répète un peu, désolée. Je vais annoncer la gagnante qui aura l'honneur de représenter la CFC à la finale qui se déroulera, donc à, si je ne me trompe pas, Tours. C'est à Japan Tour Festival 2023. Excusez-moi. Et donc, est-ce qu'on peut avoir un peu de tonnerre d'applaudissements pour faire monter le suspense et roulement de tambour? Plus qu'un peu même. Est-ce que vous avez envie de savoir? Je crois qu'ils n'ont pas assez envie de savoir. Est-ce que vous avez envie de savoir? Ah, voilà. Et donc, la gagnante qui va représenter la Normandie, c'est Harry Cosplay chez Loiry. Bravo. Est à son paroxysme. Allez, un tonnerre d'applaudissements pour celle qui
va représenter la Normandie. On peut avoir un petit mot de la représentante Normandie. C'était une formidable expérience, il y avait vraiment des participants au top. J'ai vraiment adoré malgré le stress et tout ça, des jurys formidables. Vous êtes au top, franchement, vous êtes géniaux, changez pas. Est-ce qu'elle n'est pas trop mignonne? Allez, encore plein d'applaudissements. Allez. Nous remercions du fond du cœur chaque participant, chaque jury et chacun d'entre vous d'être venu pour cette sélection absolument dantesque. Et oui, c'était formidable. Et le mot est faible. Je crois que le nombre de merci ne suffira jamais. Un dernier tonnerre d'applaudissements pour tout le monde! Ouais. Encore merci et à une prochaine, je l'espère.